Bonjour à tous, Bozui Bongo, occasion de la mission à Tongo, il y a les lots mercredi 11 juillet 2024, mercredi 10 juillet 2024, Bozabongo na Kinshasa, intérieur du pays, Bozabongo un peu partout, Boyeye, Bola na Pona Congo, il y a les lots. Alors, les lots de Rolobela Bongo, réunion de sécurité, Oyo, Mokondiambo, Kaoter, Kozanangona, le haut commandement militaire. Et puis, Rolobela Lissou, sommet, il y a un parlementaire francophone au Canada, puis Kamere a dénoncé l'agression rwandaise. Mais il faudrait savoir que l'artiste musicien Koffi Olomide, ainsi que le journaliste Jessica Bassele, na directeur de programme ya RTNC, Bazabongo, invité, na c'est ça que le jeudi 11 juillet. Bongo et se faire suite à ma propos oyo Koffi Olomide tenaki na passage né na RTNC wapi alobelaki makambu ya guerre dans l'est. Koffi Olomide lobi qu'il n'y a pas de guerre dans l'est du pays, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis aussi journée des barreaux, 10 juillet 68, 10 juillet 2024, 56 ans de l'existence de barreaux congolais, du barreau congolais, pardon, et bonne fête à tous les avocats congolais. Sur ce plateau, j'ai avec moi Maître Gauthier Sompambo. Bonne fête, Maître. Merci beaucoup, madame. Merci. Je voudrais profiter na micro na yo pour que na pesa ba avocat nyon surtout ya République démocratique du Congo ma bonne fête parce que le barreau congolais est à fêter les lots. C'est une occasion où tu réfléchis à ça, où tu pèses à point de vue. Je pense que ce sera des moments très très malin pour na avocat nous surtout. Très bien, maître. Ndekoari Chimbala Ngambote. Oui, madame. Bonjour, merci Mingi. Moi, en retard, rapport à l'embouteillage, je suis un maître. Merci. Pour partager le plateau, merci beaucoup pour l'invitation. Matondi. Alors, Ndekonri, suivant la réunion du chef de l'État ces derniers temps, est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as finition peut-être il y a guerre dans l'Est? Bon, la réunion, je pense que les alliés tout à fait normal. Parce que les Kambomoune et le la insécurité dans l'Est Bongo, pour nous avoir une solution dans l'eau, et c'est un peu belé. Ça voudrait dire il faut diagnostiquer belé à ma casse en profondeur pour nous retarder d'une part les causes, la cause non seulement extérieure, interne, et puis comment imaginer la solution. Oui, Coco, si les sangs, définitivement. Donc, ça ne peut que coller cas na ba réunion. Pour que c'est là qu'on commence à réfléchir, qu'on soit ba idée ou singeli par rapport à l'évolution sur terrain. Donc, quand tu que ba réunion, ça n'a pas m'abêté, mais le problème est que Toko tika la kaka na phase ya ba réunion. Très bien. Parce que les lots, ma Kambouana, ils salient déjà bambou les bélés, plus de 30 ans. Donc, on a quand même ici que Congolais, ils ont la dirigeant, ils ont la biso population, tout ça suffisamment éclairé pour comprendre que, en résumé, Kabiso Mokonde Toko aussi ça, ma Kambouana, parce qu'ils allient, ma bélé n'a biso ba Congolais. Alors, pour biso moto si lisango, il faut nyonso toko ko sala toko mana capacité ya ko défendre territoire na biso capacité là, donc capacité militaire parce que ce qui touke ka na ba réunion moko na sens ya que ko constater et puis ko sala ba déclaration na kanisi que solution ko sala raté en notre faveur parce que ce ko koti pena na état d'esprit à politique la façon universelle, les amendes, moi, les alloués à pitié, terme pitié, ils allaient rater. Pour ceux qui m'ont, ils allaient qui peinent dans le monde ouana, mais les bas macambo yo, tout le monde a ngoté. T'as là l'alloué là par exemple, n'engue bas au bouma,
bitume le kakuna na Ukraine. Pitié zate. Oui. Poutine kuna lobi ke soki boye bo meki ko kota. Bitume ko za siko ngana bino. Pona nini? Pona ye problème eza bato bazo kufate. Mais d'intérêt selon ye na mboka na ye. Et ça se passe comme ça partout. De biso pe toko ko sala ba réunion ya kolela, mais et au tika la ka na cadre wana. Mais oya motu eza que nyoso toko sala. Ezala avec pour objectif final tozwa capacité ya biso moko ko se défendre. Parce que les rwana toko bangisa munguna romona été ah biso pe na côté na biso ba dégé comme makasi. Alors vaut mieux to solo. Parce que so tali bien les loyo pour na ko ko chiter na mo amkiana. Tala tango M23 to rebellion ezaki neti na moi défaite. Oui. Makambo a trêve ezala kité. Mais tango et pesameli que rébellion ezui siko plus de 54 localités. Donc 4 territoires sur 6 territoires où ezako composé Nord Kivu. Makambo a trêve côté. Donc ezalo ko là parce que espace wana en superficie et l'équipe même Rwanda na munene et l'équipe même Burundi na munene. Alors na momana ba tche trêve à l'entretemps ba komi ko sala pression pour na ba négociation et accord ya Luanda, tu vois. C'est-à-dire tout se joue sur au regard ya capacité oyo biso moko en tant que nation tous en ngoto tous développer pour na ko défendre intégrité à territoire national. Très bien, Ndeko Henri, Ndeko Gauthier, Maître Gauthier, qu'est-ce qui manque à la RDC pour assurer sa guerre au Yon? Merci beaucoup, madame. Je voudrais aussi faire cet exercice de Ndeko Assaï, la PCM Beauté. Moi, je pense que, comme il y a un moment où le peuple congolais, Yemoko, les forces armées internes, il faut tout comme la capacité à protéger le territoire de Bissou Bissou Moko. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans cette démarche, a réuni les hauts commandements à Mokanabiso pour qu'il sa orientation en fait que tout exécuté conformément. Mais ce qui m'étonne souvent, moi je vis les États-Unis à Pessi Modo de la trêve humanitaire. Vous voyez qu'à Pessi ordre, pendant 24 heures, pendant Pessi ordre, dans la zone d'hostilité, il n'y a plus de combat isolé. C'est-à-dire qu'en réalité, le M23 a Yoki Modo d'ordre à États-Unis. Mais pourquoi les mêmes États-Unis d'Amérique, pendant ça, c'était pour que les M23 qui veulent envoyer à tout moment les territoires congolais à se retirer calmement. Oui. C'est ça là où il y a un problème. Et on se pose la question, qui joue les mauvais jeux? Et aussi, madame, si aujourd'hui, nous sommes tous dans le processus, tout respecter l'accord à Nairobi, tout respecter le processus de paix, cessation des armes et tout ça. Mais c'est l'unique cas, répétition, et respecter l'accord. Mais le M23 n'a jamais respecté. Mais quel est maintenant le rôle? Parce que nous avons quand même, l'RDC fait partie de plusieurs organismes. Oui. Et moi, j'ai pris le temps, avant d'aller à l'émission, dans les Nations Unies, je vois une partie, un chapitre, on dit le rôle du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'aucun autre État, à côté de a menacé paix, la tranquillité de l'État. Soit à côté de le Conseil de sécurité doit prendre des résolutions fermes pour sanctionner l'État. Oui. Mais le cas est patent, le cas est clair. Le Rwanda avec M. Kagame, on va envoyer Mbokanabiso à chaque moment. Si la République veut riposter, ok, on va télémi. Non, Bozana, nous, tout solo là. Mais au finish, c'est le Congolais qui met à chaque jour. Oui. Le chef de l'État avait promis même, pendant la campagne électorale, Abaki, moi, d'escamot, je fais la bête. Mais là, à prononcer la Malouban, ils ont peur, ils verraient pas sur le bas négocier pour qu'il y ait un Atika. Mais lorsqu'il y a Tokani Mabokopé, et que l'autre côté, le rebelle, ses aventuriers, les Nanga, les autres, parce qu'on compte à chaque moment pour n'avoir le quoi toujours, va déranger le peuple congolais. Et les peuples qui sont là-bas, dans le territoire de la zone d'hostilité, ils n'ont pas de choix, ils ont qu'à exécuter l'ordre du mouvement rebelle. Mais maintenant, lorsque le chef de l'État réunit le haut commandement militaire, a passé l'instruction pour qu'il va exécuter. Mais au moins à la fin, pour que tout kende jusqu'au fond, parce que, moi je vais vous informer, madame, nous avons aujourd'hui une armée qui peut faire face avec les Rwandais, calme sans aucun problème. Mais surtout quand tout bandaga qu'on exécute le programme, il y a un soit chef de l'État, la communauté internationale a eu joué rôle. Mais je me demande, qu'est-ce que le M23 veut?
qu'est-ce que les autres mouvements rebelles veulent? Bah, les, non, il faut négocier avec l'armée du Congo. Aucun pays au monde ne peut négocier avec les rebelles. Très bien. Et aujourd'hui, si nous négocions avec les mouvements, parce que je suis en train de suivre certaines personnes, non, on est obligé qu'à rater sur le Rana M23, non. Mais ceux qui sont M23, ils ont des conditions, bah, le cahier des charges. Ouais. Entre autres, il ne faut pas qu'on travaille bah, poste à commandement. Ouais. Et le pays sera envoyé. C'est la lutte que j'ai voulu dire à Angolo Lo, il faut éviter l'infiltration au sein de l'armée, au sein des institutions. Mais nous, ce qui est aussi grave, madame, vous allez vous rendre compte que les mêmes M23, qui dressent, on nous a dit en 2012-13, à qui des faits, les mêmes M23, à cause on a passé la négociation, qu'est-ce que les M23 avaient laissé sur la table? Voilà pourquoi là on dit l'esprit patriotisme, et ils ont renié pas mon amour à Félix. Ils refusent, en tant que digne fils, non, non, je ne peux pas vouloir signer les accords avec les M23. Parce que le chef, si le chef n'a qu'un esprit maquillé à Congolais, il peut vouloir signer les accords avec les M23, qui me compte dans la partie Est, et qui M23 côté. Et c'est là où nous ne voulons pas. Les pays où nous avons bébé, aujourd'hui, le chef d'État se bat pour la besoin d'unification sur les plans internes. Oui. On doit faire le nécessaire, notre force armée, l'abisso, bah, ça toujours déterminé pour que le mouvement M23 bah, se retire. Et autre, madame, avant que peut-être n'assiste cette intervention, vous allez vous rendre compte que c'est les différentes localités, il y a beaucoup d'abisso que vous avez récupéré. Or, si nous voulons récupérer aussi les différentes localités, et aussi il faut qu'il y ait un affrontement. Oui. Maintenant, si nous voulons aller à l'affrontement, mais pourquoi on interdit ces maladies du Congo, tous en affrontement? Mais on laisse les M23 à côté de la base d'hostilité et à Vanda. Je pense que c'est une injustice, et moi j'ai toujours dit, j'ai fait appel à la communauté internationale. Et ça, Bango, qui ont besoin de Yakuto Vanda, et aussi, maman, lorsqu'on met un médiateur. Oui. Pour que assise à Kimia, il faut tout simplement attendre qu'on médiate en gros. Le président Laurent, il se fasse au M23, bah, M23 ne va pas quitter. On a signé combien d'accords pour en tout cas cesser les faits. Ces accords-là, jusqu'aujourd'hui, ils ont répété aujourd'hui à tous les équitants. Et aujourd'hui, on nous met dans une trêve humanitaire avec un principe essentiel. Rwanda, RDC, beaucoup d'ana, beaucoup de déplacés. Quel est maintenant l'esprit caché derrière là? C'est-à-dire, pour qu'il y ait un solo là. Très bien, Deko Gauthier. Deko Henri, lors de la dernière réunion au Mokonzambo, qui est un commandement militaire, AMC Bango va mettre en place l'action Zidouane. Mais pourquoi on n'est pas déjà commencé la fermeture de la frontière? Maria, je pense que mettre Azapina Makambo Moko a touché un visa important. Oui. Situation Oyo. Moi, je vais tout de suite répondre à la question maître a soulevé que ceux qui jouent le mauvais jeu, ce sont les grandes puissances. Parce qu'il n'y a pas à faire de bas. Bangonde, Moutoubana a besoin de matière. Pour Kagame, il y a un Museveni. Et puis, Bango a besoin que telle localité est un agissement. Et ça, Bango Moutoubana a tous les moyens de la nouvelle technologie. Au Baïbi, qui est sous territoire Rwanda, il y a tout besoin. Alors, trêve en haut. Non, c'est encore une stratégie contre la RDC. Trêve en réalité, d'abord, d'une part, au monitang, il y a une élection dans Rwanda. Zoya. Kagame, na Uganda, ba koti, siko, c'est toutes les deux armées de ba koti pour na ba, zwa ba localité. Na moment, il y a trêve, il y a une période dans Rwanda, élection Zali. Or, dans Rwanda, même les militaires vont voter. C'est pour permettre à Kagame que les gens ne votent pas voter pour la zone. Alors, comment voulez-vous que toi na trêve? Mais dans le territoire à Rutshuru, les hélicoptères, les alliés, comme ça, là bas va et vient, ils ont des phares de cité. Comment dit? Dans le médiateur, non. Maître Soko Talibien, même nos médiateurs sont contre nous. Ah. Oui, nous avons même pas fait. Tu sais qu'on est au Vandibouy, ça fait 2 semaines, l'armée angolaise est au incursion à Wana na ba Congo. Et au yebi qu'Angola on a tiré l'eau bas côté la mission Nakaemba, bas déplacé bas borne. Situation on a depuis commission parlementaire Roger Lumbala tiré l'eau bas angolais bas tikala pour dimater que tous zones ça m'a comme on attend. Donc d'une part, même la Zambie, Tilelo, depuis Bakota, Bachana, drapeau na bango, Tilelo, Batikala, Ozongate. Uganda, wana, depuis Badeplaça, qui borne de 300 km,
Tilelo, personne ne nous vient en aide. Mmh. C'est pour dire que bazozo et la mission n'a pas médiateur, bazaba complice, balingi bisoté. Accord y a Luanda. Oh, et Salemika sous médiation y a président angolais. Mais ça a notre défaveur. Pour la nini, yo médiateur, oso faire accepter République démocratique du Congo. Pour accord Rwanda y a Luanda, les ans à piège, moko à Kosakanati. Likambo à Tobiso, Congo, Tokindeko, de fer FDLR, Tobanda Wapi. Parce que, et au ma piège nandeni, kaka bango moko mindelo na ba okende ko PSF leler manduki ya makazi siko yo babi bino bolobaki boko de fer po Kagame il faut ko vider alibi nae bo bandi bituma na FDLR wana boku tabango na 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 puissance makasi to kaka ba Rwanda wana balati siko bilamba FDLR ba ye nango contre bino uzomo na jwana eza akora Nairobi ezo zongi service sukaka na application ya Korea ya Luanda. Donc, on nous tourne en bourrique simplement pour basiba comprendre que toi, tu as la capacité à se défendre militairement. Tu as la reconduire la sanction sur l'embargo. Le régime d'occupation. Bon, d'une part, Balobino, ça ne concerne pas le gouvernement congolais, mais les troupes armées au Ezali qui se virent. Or, ils ont secrété. Bah, Wazalendo, ce n'est pas une armée nationale. Ce sont des troupes armées. Donc, ce qu'on étudie bien, on comprend que les sanctions, elles ont toujours en notre défaveur. Pour la ligne, le gouvernement les a utilisé bah, groupe Wana. Alors, il faut surtout frapper le groupe Wana, ça nous handicape aussi. Parce que, bah, ça, bah, mboka, bah, nimique, il faut tout le monde à côté, il y a le gouvernement. Donc, le gouvernement, il faut aider Bissot. Or, ce gouvernement a pêché bah, Mandouki. Sanctions, on a eu le problème. Que non, bah, sous sanctions, ce n'est pas une armée nationale. Mais il y a un gouvernement au PSI. Tu vois. Donc, Bissotoza piégé, n'a pas de décision. Il y a le Kouta, Baza Koloba. Oh non, ils ont haussé le ton sur le Rwanda. Mais non, quel ton? Tozali besoin na makamoko concret. Pas Babilo, on a bangon, on a déclaration, Baza Kosala. Encore que. Au coup que ce sont par exemple un député européen à Kokoloba. Mais il n'engage pas l'institution. Les décisions se prennent au niveau de l'institution. Pour le député à Kokoloba, ils ont libre opinion à Bango. Alors, si tu as dit que voilà, Bango a commis Koloba. Non, nous nous attendons, c'est les décisions qui seront prises officiellement. Dès qu'à mettre à l'objet, oui, il y a la capacité à stopper. Comment comprendre que 4000 soldats rwandais, comme ça, Ndeni Barobang, il s'abissait toute une armée, où ils ont autour de 150 000 personnes. Et puis, ils ont un budget, du fait qu'il y a la loi de programmation, à plus d'1 milliard de dollars. Mais Rwanda a un budget, on a un. Mais alors, comment nous n'arrivons pas à s'organiser? Burkina Faso, il y a un peu de monter, il y a blindé Nambokanabango. Et ils sont devenus très puissants, les trois pays-là. Ils ont accepté, soit nous mourons, soit on se fait entendre. Les loyaux, CDAO. Et Tindi, le président sénégalais, qui n'a qu'un dé, on a un bande comme ça, toi. Point. Les trois-là, Balobi, Bisso, la patrie ou la mort. Tala le président burkinabé. Azo kende na Ramadan, mais tala ye bien na soutan na ye, ozo mona bien armé. C'est-à-dire, en tout temps, lui il est prêt, soit c'est lui qui vous massacre, soit boye en tant que bien-aimé, soit bobomiye. Vous voyez? Donc, tant que bango ba se décide, bien mundele ya bandiko luka luka, ba komo itizer moko na Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont compris que ces gens ici ont échappé. Donc, bazala kaka na nyoso, ya ko sala bisote, mais deux fois, parce qu'on a fait l'ouverture à partir de Bissomoko Nano. Comment tu as organisé la société dans Bissou? Comment tu as allé Toko Kolobapé que tu as un surnombre en armée? Mais comment tu recrutes d'abord? C'est ça le problème à la base aussi. Moi, je me souviens, Maître Souki, aux gens qui sont ici, Kala, tu as un temps. Chaque année, Hollande a été communiqué à recrutement à FRDC. Pour avoir un soldat de rang, conditions à la Kamoko. Avoir fait au moins 2 ans post-primaire, et l'inkoloba, au salaire au moins jusque CO. Ça sous-entend que Oebi ko koma, ko tangana ko konte. D'où, ce qu'on côté même sergent, au cause à la perfectible de par ma formation. Mais les loyaux, on recrute comment? Kakabo et na vaille que vaille, au kouti, et comme il batte belé, aïe biata ko tangana mounoko ambo kate, na langue maternelle, il ne sait pas lire. Or,
Actuellement, le monde est beaucoup plus... La technologie est partout, même dans l'armée. Ce qu'on va construire, va recruter en Ndengwana, la qualité, en analphabète, en Ndengwana. Je pense que l'une des mesures aussi, dans le cadre de la réforme, il faut battre la loi et conditionner le recrutement à soldats de rang. Mutoyer bénéfice que compter. Très bien, Ndeko Henry. Maître Gauthier, les gens meurent dans l'est de la RDC. Est-ce que vous avez fié dans le corps à Nairobi, feuille de route à Luanda, et vous ralentir le sauter? Non, maman, il faut y emboîter pas bien de Nairobi. Il a dit beaucoup de choses à Malamu. C'est qu'aujourd'hui, l'armée congolaise, en soi, avec la loi sur la programmation militaire, toujours bénéficier de la réforme ébélé et le budget est un peu colossal pour que et qu'il n'y ait pas d'armée d'Abissou. Mais c'est que moi, personnellement, je suis en train de rappeler, parce que je n'ai pas dit que les Oisalais ne sont pas légalistes, mais il y a aussi un principe de la Constitution qui dit lorsque votre État est menacé, tout citoyen peut défendre son État. C'est-à-dire, dans l'hypothèse où nous trouvons que parti Est est envoyé par tout le monde, pour ne pas protéger parti de Bango, il n'y a aucune infraction. Deuxième chose, je pense que le chef de l'État a joué aussi un rôle de médiateur en Tchad. Mais nous avons trouvé quand même les résultats. Il y a Malamu qui me côtie entre les pays qui avaient des problèmes. Mais lorsqu'un médiateur qui prend le rôle de médiation pendant plus de 10 années, et quand on trouve une solution, moi je pense qu'il pourrait aussi démissionner, qu'on trouve notre médiateur pour trouver une solution. Et les loyaux, vous pensez que RDC va rester toujours kota la kandenge baninga bako kota ka? Non, un moment nous risquons de passer na moment à vitesse pour que tout le monde localise la biso. Et je me suis dit lorsque notre force armée à côté à comment nous gamina à côté en possession légale na bateau na biso, c'est là où on dit ah non, le Rwanda RDC pour que ça nous trêve humanitaire Rwanda. Et mais les mots d'ordre est indimami. C'est-à-dire que la même personne qui donnait mot d'ordre, on a repris mot d'ordre que non, les différents territoires là où nous avons joué, on met au Tchikango, parce qu'ils sont RDC. Mais un pays voisin a déplacé ma borne, a violé le principe d'intangibilité des frontières. Mais vous le laissez comme ça sans sanction. Moi, je crois aussi à un moment, il faut les ministères des Affaires étrangères à jouer un bon lobbying. Quand le cabinet naïe, il y a des lobbying que les ministères des Affaires étrangères jouent. Parce que lorsque nous voyons aujourd'hui un pays voisin à Bissau, à longue limite naïe, à côté de la à borne épée. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut aller aussi réclamer et dénoncer. Nous avons plusieurs façons de dénoncer pour voir comment tout récupérer paix, territoire à Bissau. Mais dans des places aussi. Mais c'est ça aussi le problème. On doit mettre un ministre des Affaires étrangères, c'est un grand manager. Voilà pourquoi on dit sur des ministères, il y aura presque une appartenance à Mokonja Mboka. Il faut que l'État tient à Moutoua Yébi. Parce qu'il doit jouer des bons lobbying pour l'intérêt à Mboka Nabiso. Parce que prenez l'exemple, nous sommes un pays totalement agressé. Et tout le monde en sait avec ma preuve à l'appui que c'est M. Kagame qui est derrière le M23. Preuve à l'appui, tu n'es pas médiateur, tu l'accepte des militaires, il y a un militaire. On a besoin de savoir la Rwanda. Ma militaire peut avoir la Rwanda. Mais la communauté internationale prend encore, non, besoin d'un régime à embargo, notification, et ça, Congo, et ça, le truc. Non, ça c'est quel. Mais nous sommes tous, tu vois, non. Oh, Isaac, tu as dit de manière indirecte, c'est de mettre RDC en difficulté. Aujourd'hui, ce qui se passe. Parce que moi, je peux comprendre. Kagame qui finance en tout moment avec pour l'appui, il n'a jamais été sous embargo. Il faut aussi réclamer. Moi, je pense qu'il y a des sommets nécessaires où le ministre des Affaires étrangères, le chef de l'État, va dénoncer aussi avec prévoir l'appui que trop c'est trop. Moi, j'ai vu un parlementaire européen, niveau à l'Obama comme la République du Congo, vous sentez que ce type, c'est comme s'il vivait en République du Congo. Il dit, mais comment la République du Congo va trouver un coup froid? Vous, l'Union Européenne, vous croisez les bras et vous partez signer les accords avec Kagame, mais pour la produire, lui, non. Bah, tiens, premier, nous sommes en train de Congo, ils ont dit, au cours d'un accord, on a récelé. C'est-à-dire que Moutak n'a pas dit maman, à côté de la moutou. On est resté d'accord, il y a un peu de logo, mais on n'est pas rentré dans la moutou pour que Moutak n'ait pas la matière. Principe, c'est-à-dire que Kagame, allez-y voler, venez avec ça, vendez-nous. C'est un flou. Et l'Union Européenne, nous sommes aussi les partenaires privilégiés. Il faut aussi montrer comment, malgré qu'entre États, il y a toujours des intérêts, mais maintenant, comment sur la plupart du Congo, tu dois passer le moment le plus dur. Aujourd'hui, maman, il faut, il est difficile de développer un pays de moment avec l'agression partie.
Parce que tous les efforts nécessaires en Mboka, ils ont braqué Gouna. Maintenant, social à peuple. Tout le monde est en train de se à un moment, c'est une distraction de quota pour que on finisse 5 AP aussi la mission. Et on connaît ça, Mboka, Mboka, Azala, Oba, Babaga, Abeta, une pierre de coups. Malgré que nous sommes agressés, tout ça toujours ensemble avec Andalusia sur l'Est, aujourd'hui aussi, Biloga, Pézoko, Mata, parce que. Il n'y a pas. Suivi à Malonga Pénon, nous allons parce que tu as fondé. Chef de l'État, tout ma réunion de ses sécurités, nous de sécurité. Maintenant, quand est-ce qu'il va suivre maintenant social, il y a PP Congolais. Et là où j'ai dit, hier, je suis sur un plateau, j'ai rappelé la ministre économie. Oui. J'ai dit, votre ministre économie, votre, parmi les prérogatives, il y a fixation des prix, il y a dans marché. Oui. L'autre aussi, un choc à augmentation des prix, comme si l'État zaté. Vous partez dans le marché au Tali. Ça qui a l'osso, et comme si on nous a un timide sur la télévision qui 100 000 francs, il y a 25 kilos. Or, si nous avons un ministre d'économie assez efficace, moi je vais dire que quand il avait la matinée, échoué dans le ministre de l'économie à Gougaounaté. Aujourd'hui, il y a comme un parlement, c'est là où il maîtrise. Le ministre d'économie qui est efficace, si terrain, pourquoi ça l'effort fixe son prix et ça l'a bien localisé. Et aussi, le ministre, il y a transport. Il y a un problème serré, maman, comme si. On ne va pas comprendre. Vous êtes ministre, ce n'est pas dans votre bureau de confort, Wana. Oui. Vous avez des inspecteurs qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, madame, si vous allez dans un magasin, pour la gare centrale, on a créé des petits bureaux de Mickey. Ce sont des gens qui rendent les transports très difficiles. Et le ministre des Transports, vous êtes là. Vous avez des inspecteurs qui sont sur le terrain. Et puis, prix à transport, et bien, ensuite, c'est-à-dire que vous avez 200 francs. Au combien oh, mais 200 francs, parce que non, il y a 2000 francs. Moi, j'ai payé 2000 francs parce que c'est un ango. Mais maman a été en Dunda. Non, ça va pas, toi, chef de l'État. Donc, nous, il faut faire un effort. Malgré que nous sommes agressés, il faut aussi tout à la côté social, il y a à boire et à manger. Je vous donne un cas, madame. Même quand vous sortez maintenant au Kina face, il y a un immeuble intelligent. Vous trouvez les bureaux de mon avant, il y en a belle. Hier, j'ai interpellé le général Blaise Glimbalim. Le bureau de ma très bien, et belle, il y en a 50. Maintenant, les gens qui cherchent le transport pour pas gombe boy, battre ma soute. Bah m'a passé ça nini, bakangamo. Est-ce le rôle d'un bureau déjà pour un taxi dans moto? C'est là où nous interpellons les autorités. Si le chef de l'État, Azam Okonzi, a nommé ma ministre pour que vous appelez responsable de votre secteur. Voilà pourquoi j'ai laissé Boussa à un moment, il prend de l'X, dédié au chef de l'État qui n'a pas de leadership visionnaire. Mais vous-même, j'ai laissé Boussa. Vous avez bénéficié des 6 ordonnances présidentielles. Qu'est-ce que vous avez fait avec le commerce extérieur? Aucune université à Nikin, tu dis non, le Congo manque un leadership visionnaire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez, vous dites au chef d'État qu'il n'est pas un leader. Voilà pourquoi nous sommes de ceux qui. Pourtant, lui est ministre. Lui est ministre. Les dévots de... C'est là où j'ai dit, mais ça me fait très mal à la tête. J'ai dit, lorsqu'on est ministre, on a ce qu'on appelle la réserve homme d'État. L'homme sur le pas celui qui était. Mais j'ai aussi appelé le chef de l'État pour ce que j'ai laissé Boussa démissionner. Parce que, comment lire, moi, je suis à l'université, à Betty Bordinae, et je suis le chef de l'État. Lorsqu'un ministre en fonction, qui a fait plus de 5 ans, soit plus de 4 ans en fonction, ailleurs, le but depuis 1960, il est là. Congo a pris le leadership. C'est-à-dire que je suis en train de. C'est là où je voudrais conclure mon intervention. Oui. Le peuple est atala. Je sais que le peuple a toujours été satisfait. Oui. La RDC, tout ça, n'a. Basant de hostilité et belé, autres menacés. Le chef de l'État se bat nuit et jour pour que qu'il mène la partie est et si là. C'est sa priorité. On a besoin ici là. Et quand il est entré au pouvoir, dans sa tête, il a dit que non, il y aura cette agression de la partie est. C'est-à-dire, il trouve la Koutani, il a son programme, à Koutani, on va imposer la partie est cette agression-là. Mais je crois, avec la stratégie qui sera mise en place, nous allons finir toujours par conquérir nos territoires aux alliés violés par les M23 les autres rebelles. Très bien, Ndeko Gauthier. Alors, Ndeko Henri, Madame Soumine, l'obé à Mbakibongo, sénateur français, il a juré que par la paix, la partie Est RDC, alors que le comité international, mettre à l'obé à chaque fois que tu as riposté, hôtel et Melabis, c'est ça contradictoire. Bon, on a quand même dit que c'est ça. Toko benga ngoka jeu. A o baye ba distraire bino pona ko doser bino mais ba yebi ke tokoti ka bangote RDC o tokoti ke la bangote. Donc quitte à nous
Yakubanda ko sauté malobana bango parce que c'est aussi ça la diplomatie. Toza benemi tant tokutani on s'embrasse mais kangidila. Alors nyonso bango bakoya bo biso toyebi déjà que bozo kosa. Même so tolobi na binote ke bokosia mais tokuchango na mitema te tuchango pembeni bo gérer pour la paix on s'en fout parce que toi na pété. Na bamboka na bango il suffit ka mutu moko ba bomiye. Omoniti chef de l'état na bango hotel. Mais il y a biso, même ba chiffre ba pesa kana. Et bon bato ba ba kufaka na baza na ba na ba brousse tangwazo ki maki akufi. Qui va comptabiliser ça? Donc ça ne sert même plus à rien ya kobanda ko parler en termes ya nombre de morts. Non. Batu wana tout ce qu'ils peuvent nous dire, nous on s'en fout. To changwa tana mitema te za ka bilomo boye neti ka yé mais biso nde to bunda par tous les moyens. Omoni armée na biso ezo souffrir. Pour bien dire, omoni maréchal Mobutu azalaki ministre à défense. À Tiki défense le 24 avril 1990 pour ne pas dire 90. Et depuis lors, et loko ba bengaka esprit de corps na armée na biso ti lelo etikala kozongate. Ya siko nde komi mabe parce que les rois qui ba conflit ce que bandi il y a bango moko ba généraux des congolais de père et de mère mais mutu na mutu aluka yenda zala mais lelo sikoyo na otozana batu o ba kota ki na makambo ba korwana donc e komi très difficile ne ozomo na nyonso boko décider na minito yo na bobimi na salté et c'est que et biso moko pe ba congolais on fait ça tala par exemple André Kimbuta un jour na Sénat Azolo bana modeste bati le rang la président sénat mais yo zomi pesa passe au décrété ba wiklo to sali na bino wiklo ao na mutokomi na banda ku na bisote le tanto bimaka na parlement wa na yo ki tipo aza kuna so ki pero loara je reprends les propos de Kimbuta abandi ko lo makambo bisote lo bina wiklo je ne suis même pas arrivé à la maison mais si ko qu'est-ce que ça signifie au moni que bato yo baza likolo wana Bazana ndinga ndinga maître a soulevé aspect moboye sans y a les hommes d'état banangote c'est encore un sérieux problème na kati na biso Jean-Louis Saint-Boussa c'est un fait où normalement il fallait afoutango cash parce que omoni d'ailleurs yaza asalika 430 yaza ministre banda Kabila omoni pe erreur mususu ce qui bat Moutou Alunga au gouvernement. Finalement, lui, il pense que c'est le pays qui a besoin d'ailleurs. Moi, je ne sollicite jamais, c'est la République qui a besoin de moi. Mais il y a ça, le résultat. Souvenez-vous, l'air qu'a Kamere à son époque. Comment va troupe étrangère sans que le Parlement. Mais kakaba congolais peut-être Kabila bat a compris na ki eloko wana na ndenga mabete mais tout mona ki na télévision ba Francis Kalongo ba Lambert Mende nde ba ke ko la Musa venait na kati ya Kabila o a humilié yo comment il peut te contredire publiquement et pourtant en réalité Vital Kamerhe avait raison il s'agit de la constitution qu'il fallait respecter ba défenestraye mais maintenant oyo ndenga saliboui les gens ne réagissent pas. Mais aux hommes, on va te soubaye, babandi peut qu'on défendre. Mais est-ce que vous comprenez ce que c'est? Tant que Mundele et Moro déjà, aux hommes, on mais bah, ministre, bah, Moro, ils disent qu'ils n'ont pas de liège. On va les aider en quoi? Womoni. Donc, ce sont des propos très graves. Yon a rangouan, il faut en réserve, yon a déclaration. Madame Mukende, vous avez dit ça, chef Nayo, qui n'a pas de liège, n'a pas de liège, n'a pas de liège, à huis clos, à tabo soin, yon a, tabo se collègue. Omoni, parce que tu auras le temps de lui dire que non, ah, excellence, au lieu de dire que tu es un banda, madame, tu es un banda, 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 mais tu es un banda, tu es chef de l'État. Devant ma tête à pognon, leadership. Voilà. Automatiquement, au pessi matière, na baye. Le quoi, route au pays, le bac, parce que vous-même, les officiels, à qui la République donne tout,
mais bino bo pesa résultat à mon côté. C'est pourquoi il faut que kasaka ba ela mon bo dit toi tu as été ministre pendant 10 ans na mboko non c'est fini. Il y a aussi d'autres congolais. Mais les lo ba moni ango que non biso tozaka na gouvernement donc je peux même l'insulter na olongwate. C'est ça aussi parmi ba conséquences il y a nyo se commis trop légère. Or que Bangonde est plus intelligent que tous les Congolais étaient. Très bien, Ndeko Henri. Deuxième thématique, le sommet, il y a assemblée parlementaire et il y a assemblée parlementaire francophone. Oh, il y a bon à Canada et puis Caméré a dénoncé qui agression rwandaise. Alors Ndeko Gauthier, comment vous avez analysé son intervention face à Madame Louise Moshikiwabo? Merci beaucoup, madame. Je vais vous renchérir le lobby. Au monde, il y a un peu de agressé. Parce que j'ai suivi ces pays. Dès que vous il vous dit tout la guerre. Les efforts, surtout, vous mettez pas la guerre, vous avez un coup. Et un journaliste va vendre à télé. Non, j'ai vu comment. C'est-à-dire que cette légèreté, ils ont matamouké, mouké à gauche, à droite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et le chef doit taper la messe là. Il va mettre le bouc la messe là. L'exemple ici, si Caméra a été mise à côté, n'a pas pu c'était dans un cadre en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais là, je n'ai pas été informé. Au Galang, je n'ai pas été informé. Mais Kabila Yepi, n'a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de réunion à 17h, Kabila Yepi n'a réunion à 21h. Avant d'y mettre le bouc. Et alors, il avait été allé, démission Kabila Zongi. Le chef, il faut à un moment être dire envers même ses ministres. Oui. Les pays ne peuvent pas être dirigés par les accords, non, il y en a 20 députés, il y en a 13 députés, non. Nous avons un seul chef de l'État, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Toute la chaîne de la population est dans les pôles à Mokonzambouk. Vous voyez un ministre qui a été nommé plus de 7 fois. Il est ministre et ministre. Le Lobatier n'a portefeuille. Je vais vous relever le mot, madame. Vous savez que Jean Lissé, depuis qu'il a été ministre, dans la comptable du Rouen, on a dit. Lui, il a loué ceux qui, quelque part, Rouen, il a fait 31 000, ceux qui, quelque chose de pareil. Mais après, quand il a bureau, il s'est dit qu'il a été ministre. Il a dit qu'il a été ministre, il a dit qu'il a été ministre. Mais vous êtes ministre. Là, c'est pas prenez deux semaines, arrangez les bureaux. Si on a bureau à l'État, au lieu que l'État, il a un bureau privé. En tête aux bambons à l'État, vous utilisez, vous prenez le propos, dire le lingua avec le chef de l'État. Et même les services peuvent aussi vous interpeller quand même, nani, comment j'ai dit vous ça. Oui. Pourquoi vous voulez sortir du contexte à Marquionne? Et lorsqu'il parle de leadership, nous voyons quelqu'un qui est aussi un opposant du chef de l'État, son parti, tout le leadership, ils ont quelque chose là. C'est une humiliation pour le chef doit taper la main sur la table, afin que les gens ne savent pas. Et ça va soulager certains esprits. Oui. Beaucoup de gens sont mécontents par rapport à ces propos et ce n'est pas bien. Mmh. Et je voudrais maintenant qu'il y a dans une assemblée francophone parlementaire, tout ça. Bon, moi, je pense que madame est pas qu'on dénoncer tout ce qui est en train de se faire. Il faut qu'on dénonce. Kamera Zali, président de l'Assemblée nationale, je pense que le mécanisme est approprié. Et Zali, dans le cadre de l'institution de l'Ambo, tout soit mesi nécessaire pour que Tolonga cette agression est partie est. Vous comprenez, madame? Les loyaux, le chef de l'État a ça l'effort nécessaire. Batouba Koutani a pris ses instructions. Pourquoi pas construire même les murs? Le chef va regarder, il peut même. Soit il peut construire les murs. Vous allez voir que les gens-là vont venir. Mais ils sont sénateurs, comme tous les autres. Nous, on a beaucoup de sénateurs ici. C'est pas non, non, d'autres ma paix, non, la paix n'a répondu à pour n'abissons pas comme l'un de l'ango. Ici, tout dénoncer, bien sûr, je félicite cet aspect de choses, il faut dénoncer l'Ibanda, bien sûr, mais il faut tout un mécanisme interne en place, pour que permettre à Bissot cette agression si là définitivement. Madame, je vous dis, aujourd'hui, il y a plus de 21 ans, où le parti est en conflit. Même si le président Félix a 6 mandats de 5 ans, si toi aussi côté, il connaît les mêmes problèmes. Entre le fils, tous à la ini. C'est nakata inité en tout cas longa pour que tout kende libozo. Mais lorsque tu trouves sur les plans internes, il y a beaucoup de frustration. Est-ce normal?
mais yo za Congo malobi otuna oh na ngala tume ndeko yo za mwasi na bana mais gouvernement social le côté mais les femmes na basi bakusufi na bana donc c'est à dire qu'il y a des congolais ils ont que du fait que c'est Félix qui dirige le pays nous avons ça là ceux qui ont pembe pour les arabes moindre oh parti est on a ce qui se passe une agression parti est on ce n'est pas la peur du président public seul c'est la peur de tous les congolais. On me souhaite que Naliban Nambouka va dénoncer. Nous, c'est les plaies internes, sont soudés. Protégeons nos territoires pour que Mongouna contacte. Mais lorsque, au sein d'Abiso Mongo, il y a des gens, on va promettre à Gaga échec, il y a des gens qui sont là pour trahir. Et moi, je pense que aussi, madame, avant d'assister ça, il y avait moratoire de la peine de mort. Il faut ne pas mettre en place ma casse. Parce que, quatre même au sein de notre armée, le chef d'État doit se battre pour que cette infiltration et Vanda qui t'emboule et ça n'est pas ici. Parce qu'une armée qui est infiltrée, et l'on a habité un bâté. C'est-à-dire du fait qu'ils aient tout ça infiltré ma casse, des gâteaux là-bas, Abi, bon, ça les réunions dans le bureau, tant qu'à vous, la porte, et c'est fouillé. Donc, ce que je vais conseiller à tout le monde, en dépit du fait que nos parlementaires, quand l'Iban Nambouka va dénoncer, nous aussi, sur les plans internes, soyons unis et soudés, parce que nous n'avons qu'une seule patrie. Pour qu'on vivre mieux qu'il n'y ait pas. Moi, une fois, j'ai pris le visa, parce que j'ai eu le visa dans les arrières territoriales. Oh! Mais donc, on est visé dans la zone, on est dans la province de la zone. Donc, c'est-à-dire que, oh, naturellement, madame, oh, tu as eu le visa dans le territoire où vous allez, au Malibanda, et vous allez vous à être congolais, ça va bien. Il y a des gens qui prennent des visas ici. Est-ce que les Congolais ont un territoire, les Zagas? Vous avez un kin. As-tu un visa continué à Wabimi Libanda? Donc, c'est pour dire que, en d'autres termes, il faut te l'ingambo qu'on abisse. Ou qu'on vivre mieux qu'il n'y ait pas nos mots au Kélibanda. Très bien, Ndeko Gauthier. Ndeko Henri, est-ce que l'intervention Yakamé Reizan impacte Makassi dans l'est de l'RDC? Bon, avant, je suis là, 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 à propos de Koffi Olomide. Je suis là, que Koffi Olomide a exprimé une désolation, à décrire situation netika netoloba. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'on analyse Bapou. Alors dit que nous ne sommes pas en guerre parce que la guerre c'est que au béti n'a peine à béti. Mais ici on joue, on fait de nous n'importe quoi. La preuve, maître Outio posait la question en Baba Trève. Quand on doit attaquer, on impose. Le général Oaza Chazab opération, il faut le suivre. Tangouba Kanyabayong est tombé. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on n'a pas reçu l'ordre d'attaquer. D'où on nous a obligés de respecter le cessez-le-feu. Bon, le M23 n'a pas respecté. Zoyango, Tchayango sur les propos de Koffi Olomide. Photo tala, c'est une désolation. Oh, yabimisi. Zoabo officiel, un général, quand il vous dit que nous, on n'a pas reçu l'ordre, il faut se poser la question. Qui a donné cet ordre-là que Binobo répliquait? Voilà. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'ordre, donc on considère quoi? Qu'on n'est pas en guerre? Mais tant que Bango Bazakoya, c'est ton calculant au sconini. Vous voyez, moi je vois ma propos na yé na sens ouana. Moi je pense que Mouto fallait ba interpeller na ba instance compétente, disait Jean-Lucien Boussa. Ça c'est net et clair. Pour abêtir l'eau comme Mokoboué, un officiel tout fait qui représente la République, parce qu'un ministre, il représente la République. Ben ouais. Omoni, Koffi, c'est un individu qui a pêché opinion, a dessiné un peu. Solandi en opna, tu vas trouver Magamde na lobia. Quand un général vous dit, ou a chargé, a commandé l'opération, il n'a pas eu ordre. Sûrement, à Bengi, à lobby, que bon, voilà, il faut tout répliquer, tout le monde attaque. Mais c'est non, quoi, attaquer, t'es. Bisoto respecté, c'est le fait. Yango a maître soulevé. Ah, mais finalement, comment Bissonne faut respecter RDC? Qu'on a respecté. Donc, ce n'est pas une guerre. Alors, on nous fait des sales jeux, on fait de nous tout ce qu'on voudrait. Toi, le la banamique. Donc, au moins, Bissonne. C'est un peu la désolation au Koffi Olomide du Missi. Selon l'AI. Et je pense que, qu'on posait pas problème, au contraire, il faut. Bissonne, ce total, yango pour nous, total, batouana, mais finalement. Bissonde, t'obéir. N'a pas accord, n'a pas cessé de faire. Donc vous nous prenez pour des enfants. Il y a qu'un autre, on a droit aussi de défendre. Vous voyez, donc, alors, pour nous, on a une question, notamment voyage à Vital Kamere. C'est bien, c'est une mission officielle.
pour porter la voix. Parce que tu as dit que les pays sont quand même les assemblées nationales, ce sont elles qui contrôlent. Oui. Bah, politique, il y a un bon canyon soin. Pour atteindre les États-Unis, pour aller en guerre, il faudrait que le Congrès décide et puis ça aval parce qu'ils ont mis solo à l'État, ils ont eu le chef de l'État. Donc, dans cet esprit-là, il y a que nous, que solo là, bandeko, les parlementaires du pays, nous sommes faire entendre la voix de la RDC. En tant que parlementaire, c'est une initiative qui a encouragé à jouer pleinement le rôle naïe bien. Mais maintenant, le problème, c'est que dans les faits, pour on a tout ce qui est le mettre à lobby sur le registre et à dénoncer. Mais tu as dénoncé Tiwap. C'est bien toi dénoncer, mais l'entretemps, capacité Nabiso Ezala effective à se défendre. Tu as dit que Abiso Mogope Tozo, mi beta, peka kaba magam sous lobby, que non, faire des matières en puissance. Mais quand on a récupéré territoire, Mokoana, ça nous prend des années. Bah, territoire! Tu vois, donc ça devient ils ont un problème très sérieux, ils ont signé en profondeur. Kota là, ma douceur, comme il a dit, wapi, pourquoi notre armée connaît ça? Bon, bah, ma rambouille, tout yébi, n'engue pas tout bas qu'on s'est comporté. Y a moi là, je pense même que ceux qui, président de la République, a commis un niveau comme ça là, a eu encore risque à cause la task force. Par rapport à la situation de la guerre à l'Est, c'est-à-dire que l'harmonie, la trahison, le comportement des généraux, ils sont très compliqués. Parce que Task Force, en réalité, c'est une équipe où il faut ça, la momentanément. Mais ça, c'est la bangote. Tu vois, ça voudrait dire que l'harmonie peut que ça ne va pas. Bateau, il faut que ça, c'est la momentanément. Alors, comme on ne sait pas exactement qui nous trahit, alors tout ça, là, on a une task force. Mais c'est encore pourquoi on a lobby qui a risqué. Pour éco-créer sous mouvement, sous batons, ah, le gola sali, boudoua, a la confiance, n'a pas tout trahir, ce qu'on a baton, on a task force. Donc, c'est très. Il faudrait en interne, tout ça, là, on a sens s'élever, il y a patriotisme. Tout comprendre que, tout bounde là, tu sais qu'il dit, tout bounde là, ma belle, n'a pas tout. Pour ça, tout ça, ma belle, on va les vivre où? On va aller vivre où? C'est ça. Donc moi je pense que initiative voilà, Vital Kamer les parlementaires, c'est un exercice normal, mais souci n'a pas majeur, il y a que tout développer effectivement capacité à redéfendre le territoire Nabiso. Les Rwandais, toko kende na négociation pendant que tous battre ennemi ou là wana tokeyi na négociation mais pas pendant que ennemi azo développer espace na endenge ba bin tokeyi ta balobi. Tu sens que baza content non M23 commune territoire moko très vaste. Oh mais comment vous dites ça? C'est indirectement pour nous dire non, maintenant il faut négocier pas ce territoire. Non. Mais tant que bango bazaika côté paté pa, pourquoi vous n'avez pas préféré que non monsieur Bolongo? Ah, tu vois, donc c'est très bien. Très bien, Ndikwari. Tu remarques Nasuka, maître, est-ce que vu que tu es déjà agresseur, est-ce que ils sont monté les matins OK, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit to riposter directement parce que à chaque fois que tu as l'ingan tout là d'accord. Retard, nous-mêmes, on ne peut pas se décider, on ne tient plus compte, c'est d'accord, et on attaque aussi. Non, c'est ça la question, nous respectons. Partir diverses, à respecter. Tout le monde voilà, tout le monde qui est tombé agressé, tout le monde qui est tombé agressé, tout le monde qui est tombé non. Tout que nous défendons des bisous, nous avons un M23. Non, vous allez nous tous en partie diplomatie. Après, vous allez voir comment ça va aller. Pendant tous ces temps-là, c'est le peuple qui meurt. Et le chef de l'État a un souci. Et que qui meurt dans la partie Est. Je pense que les loyaux, option de comment vous allez, vous allez si vous parti à diplomatie à Sisiwana, ça sera maintenant tout qu'il y a un moment, il y a quoi attaquer pour que vous récupérez mon ami. Aucun président au monde, aucun pays au monde n'est pas accepté. La localité naïe est récupérée par les mouvements rebelles d'une manière illégale. Oui. Donc, ça ne sera pas une bonne chose. Et aussi, madame, parce que vous allez voir ici, ceux qui RDC a attaqué directement,
Nations Unies et Koti, réunion urgente, le Conseil d'État a pris des résolutions. Jusqu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité, les Nations Unies, et là où je félicite le chef d'État parce qu'il a cité nommément les noms de la personne. Le chef d'État a cité nommément. Même quand à l'époque, il a cité toujours le Rwanda. Mais quand on a nommément, le chef d'État l'a fait parce que maintenant, on va prendre ça que non, c'est M. Kagame qui est en train de combattre la paix du Congo. Vous avez vu récemment, on a réclamé parti Est. On a parti, il y a parti Kotoane, Zagindam, Zagindé, et pas Nabango de Pikala. C'est-à-dire que le principe intangibilité des frontières, où le principe international, les Makassi, où ils sont violents, parce que vous menacez peine en beaucoup comme tout, il faut ça la sanctionner automatiquement. Mais je n'ai pas tout n'a pourquoi ceux qui va menacer Bissot pour sanctionner Bangui Zouakata Moulaï. Mais pour la Bissot, embargo, on est vanda, papa, et comme une notification, il crée des formules, tout ça pour nous mettre toujours dans une difficulté. Alors que Batouba Zoukoufa. L'Union européenne qui devait aussi intervenir pour trouver la paix, tout le Kimia. Au lieu de signer des accords avec Bissot Mokoto, pas production, pas matière première, à ce temps, Bissot, il se trouve que dans Rwanda, il signe des accords avec Rwanda pour n'avoir produit matière première. C'est un autre thème, c'est-à-dire que vous soutenez ce que Rwanda fait. Oui. C'est là où moi je me pose la question. Est-ce que cette communauté internationale, elle est avec nous ou elle est ailleurs? Oui. Il est donc nécessaire que le chef d'État, je pense qu'il y a un sommet, où il y a Yamakasi, où il y a Nations Unies, ma question est la question majeure en Rwanda. Est-ce que la communauté internationale, tout ce que nous avons dénoncé, tout ce que vous nous avez dit à Rosala, parce que aussi l'État ne peut pas fonctionner seul sans les autres États, malgré les intérêts qu'ils doivent primer, mais certains organismes internationaux, ils doivent aussi jouer un rôle moins important. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, RDC comme Yobu, il faut permettre à RDC à qu'il attaque. Et surtout qu'il attaque, je pense que Rwanda, c'est dans 2-3 jours au Kotango. Ça sera la petite chose. Très bien, Deko Gauthier, Deko Henri. Est-ce que, vu que la dénonciation, ton lobby, est-ce qu'un jour, tu peux espérer une action concrète de la communauté internationale? Espérer une action concrète de la communauté internationale, je ne pense pas. Mais la communauté internationale, il faut obéir à Monique, RDC à travers FARDC. Bah comme imprévisible, bah pelisimoto et bah y a aussi les sakuna Rwanda na Uganda parce que bah on y est souvent à bana kacha mabé ou bah au salabiso. Ndé au comment na bangosko bah y est concrètement. Mais na pamba boy et tiga la kana position oyo. C'est pourquoi na rosenga na président de la République. Bah solution na bah magamui belé azo kango na balabala. Quand je dis balabala, je voudrais dire Makambo et les Kanakanaba presse, il y a des gens qui mettent ma réflexion aux Isali et qu'on peut répondre à Makambo. Azalaka plus attentionné na balabala. Parce que Batoyo, il y a pesa ba confiance. Tant que ma libosso na ye, baza ko enir ye kanaba erreur. Et quand il croit, na pesio que exemple, moko les autres za ko en souffrir. Awa wana ba plateau à Congo Buzz. Kala! Tout dénonce que Félix a coté sa pays na EACT. Est-ce que ça demandait quoi pour nous comprendre? Est-ce qu'en quoi Moutoussa le ministre a commis haineux? Non! Il faut que vous soyez réaliste. Oyebi, et l'autre mot très important, Etienne Tshisekedi a commis très puissant pour nous. Il a banda ko yo kande le bado. Pour nous, bazo ko yebi sake, omoni collaborateur na yo wana. Tout le monde a été à 2h du matin, a été à un père. Parce que bango ne balkana ba balabala. Ayebi déjà. Lobio ye nyosozo ibisayona il s'en fout. Ya ngwana un professeur a sidika lobika. Ah, mais biso to ye ba ka programme ya Etienne.
Mais tozo yo kaba programme na yeba bado de la rune de ba yeba ke lelo akobima boye parce que il avait le temps ya koyé ba information na bango à partir à les hommes de la rue. Tala lelo ndenge par exemple le président de la République, pourquoi on l'embrouille ti na batunaé? Toti na élection. Et puis que UDP sur les 26 gouverneurs, UDP sazana combien ce idée? Est-ce qu'il comprend ça? Mouto appelle ça qui confiance et au conduire Makambo. Est-ce qu'il a réussi une mission? Tous les restes, ce sont des kabilistes, bah gouverneur wana. Et là on est ici qu'au Togoye bah que d'ici 2028, il y a beaucoup d'années que sona si d'ici guerre c'est qu'il a réussi le mandat nanga. Est-ce que bango pena baza na kati a vision aye? Bango wana bah koloba déjà que leadership est à fouti. Parce que il n'y a pas eu une bonne perception à voir que ces gens ici faut qu'ils ne na bango. Na système mokoboui. Oui. Tu vois, donc moi je pense que je ne porte mon na communauté internationale baya dans le concret. Et ça ne mokolo bango bako mona ke fardese et pelisi penza moto to bandi ko tindika batwana. Alors bako mona bango bako yasiko dans le concret, non, il faut faire ça. Mais aussi longtemps que ils réussissent ya ko maintenir biso na position o ya mabe, il y aura jamais du concret. Et à l'entretemps, bah minerais est épuisable. Faut battre bayeba. Moi aux humanités, j'ai fait la métallurgie. Minerais tant que baza pour exploiter, c'est quali vide. Et quand on va épuiser, on va nous abandonner. T'as comme un pays inutile, ça n'a pas quoi abandonner. Et puis tombe comme ça l'erreur, c'est que n'engue malheureusement maman a vu ça là-bas que même si vous avez dit, mais à tabac, non, l'histoire politique dans le monde est en train de se faire. Saddam Hussein l'a pendu pourquoi? En 1930, lorsque l'Angleterre et l'Ingisiko étaient en Irak, l'Irak, Koweït est une province à Irak. Kaboli, non, non, la province est en pétrole. L'Irak peut pétrole, il faut tout diminuer pour que tout soit la même base. Mais des années plus tard, tant que Saddam Hussein a cherché à récupérer la province de Yanini, à Koweït, il est où? On l'a pendu publiquement. Tout à l'heure, on a battu TV, bah, pendre. Donc, ce qui te perd, c'est que ma belle n'a pas été sans. Tu peux récupérer la moté. Et au coma, souba, ma cambo, moko boye, et comme très difficile. Donc, coûte que coûte, on doit tout faire, dans le sens où tout, n'est-ce pas, mon à l'obaka, qu'on doit marcher à fond. S'il faut signer des accords avec le diable, c'était pour dire que pour la intégrité. Donc je pense que la communauté internationale tous est la bangote, mais il faut biso to comme dans les actions concrètes où il y a moto ndeko tinda bango sikoyo baya. Très bien, dernière question de Kogotier, est-ce que il faudrait to espérer une action concrète à la communauté internationale vu que baise biso bosé là. Bosala be. Est-ce que vous espérer après la dénonciation, je viens de vous dire que si nous sommes victimes de cette agression aujourd'hui, c'est la lenteur de la communauté internationale qui n'agit toujours pas, qui ne fait toujours rien. Qui n'agira jamais. Non, mais moi je pense. Mais nous avons dit ici que ma preuve palpable attestait réellement que ce M. Kagame qui est derrière le M23. Tous les groupes militaires, parce que nous avons un front, dans le 4M23, militaire, dans le 4M23, rwandais. Médiateur à 5 bails, les bails, dans mon M23, va respecter. Donc pendant ces 5 jours aussi, Bitumizano et tout, Bazon et Sizan et Kimia. Attends, qu'est-ce que nous devons penser? Donc moi je pense que la vraie réponse, il y a beaucoup d'ambition entre les Congolais. On doit se prendre en charge. Le chef de l'État est déterminé. Il faut qu'il y ait tout kende. Et n'y a pas de lobby. Moi, je suis en train d'attaquer, de tirer pendant réellement. Je suis en train de dire, ah, Congo, maintenant, tu as contrôlé le soutien. Je suis en train de faire nous. Parce qu'on négocie dans l'État, il y a force. Ce qu'on négocie, c'est hostilité, locataire, nous a récupéré, pendant que nous sommes en position de faiblesse. Il faut tout qu'il attaquer, il faut tout tirer. Pendant que nous voilà, tu récupères même 3-4 locataires. Voilà, maintenant. Mais toi, attaquer, ça veut dire que
to longoli ba accord nyonso mais maman oh. Mais ba accord ngo banda ya na yobi c'est le fait la Luanda tous les accords là depuis ba signé ngo il y a que nous la RDC qui respecte ça. Maintenant, les autres là, Bazaba, Ouganda, Wana Banani, vous savez, quand on donne la mission d'abord, Bissot aussi s'habite tout Maya, tout Yamaba FDL. Quel est le lien entre Bissot et Bangaba FDL? D'abord, la preuve va tester que nous FDL, Bissot aussi s'en est. D'abord, Bissot, les pays d'abord nous sommes agressés, tout le monde, on a Bissot, tout le monde, on a Bangaba FDL. C'est contradictoire, on a tout compris. Mais la communauté de Zabata, la bonne que nous, le Rwanda est tout puissant. Allez, même la communauté internationale, on te tient à monter Mana Bangas. Pas de respecter de l'homme côté. Mais nous respectons le tout. C'est les filles. Nairobi, Bobundate, Bazon d'hostilité. Le lot habite que la trêve humanité entre Rwanda et la République du Congo. Nous comprenons le lot qu'on a tétis le lot. Les deux pays qui ne sont pas bons âmes, n'ont été malamou, il faut que non. Nous, on allait prendre en charge nous-mêmes, les déplacer tout de suite aux ennemis, aux charges. Rwanda, Salam, Mouna, Salam, on a besoin de nous sommes capables de prendre en charge. Mais cette crise humanitaire est connue parce que y a les Rwandais, là, les M23 et les autres, ils ont tiré pour le Congo. Ceux qui battent pas d'équité, c'est donc dans la crise humanitaire. Il y a à voir les déplacer. Très bien, Déco Gauthier. Merci, Monsieur Henri Chimbalanga. Et puis, merci, Maître Gauthier. Merci. Merci, Blanda Kibiso. Bongo Nandela Télévision, un peu partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Tukutani Bongo Lobby jeudi pour la nouvelle thématique. Au revoir et bon après-midi à tout le monde.